Damien Etalon, Manu Guillaume et dans les intérieurs, Jonathan Demedge. Les trio qui semble se dégager à l'issue de cette première ligne droite. C'est Damien Etalon, le Byzantin, qui prend l'avantage. Damien Etalon donc en première position. La deuxième place de Jonathan Demedge pour le club de Golbey. Et alors qu'il y a le retour de Manu Guillaume. Manu Guillaume qui vient de prendre la deuxième place. Un duo de Besançon donc aux avant-postes. La troisième place pour Jonathan Demedge et la quatrième place de Frédéric Orlander de Colmar. Allez, on est dans le dernier virage, dernière ligne droite. Damien Etalon qui va s'imposer dans cette finale des cruisers 35 ans et plus. Manu Guillaume qui a lui plus de 40 ans va prendre la deuxième place. Et Frédéric Orlander va aller chercher la troisième marche du podium dans cette catégorie des cruisers 35 ans et plus.